La justice britannique a déclaré Didier Raskol coupable d'agression sur son ex-compagne. Les faits remontent à juin dernier, lors d'une altercation entre le chanteur de Grimm et la mère de ses deux enfants, Cassandra Jones, dans une propriété du sud de Londres. Le couple était séparé 5 mois plus tôt. Deux voisins avaient alerté les forces de l'ordre à cause des cris qu'ils entendaient. Elle, artiste britannique, et son ancienne partenaire étaient en désaccord sur les enfants et les finances, quand le ton est monté. Le chanteur a y perdu son sang-froid, après le juge, après avoir y fait irruption, dans la propriété, la bébé c'est de Taïank. Il y hurlait et criait, avant d'eux, y se frappait la tête contre le frigo 3 fois, leur fils dans ses bras. C'est ensuite que Didier Raskol, dit l'ennemi de son vrai nom, en est pris à Cassandra Jones, la menaçant et la poussant à travers la piste, jusqu'à la faire tomber au sol, le tout sous les yeux des enfants et de son ancienne belle-mère qui tentait de filmer la scène avec son téléphone. Il avait reconnu dans sa première déposition être agresseur, il avait changé de discours à la barre, assurant être la victime et avoir été blessé au bras. À elle, énonce du verdict, Didier Raskol a visiblement une nouvelle fois, perdu son sang-froid, En sortant du tribunal, il a en effet cassé le matériel un photographe de la presse association qui couvrait le procès en jetant son appareil violemment sur la route, le détruisant complètement. Elle, interprète de Bonkers, connaîtra sa sentence le 8 avril prochain.